Mouna, bienvenue sous News, sous Palmisak Mabolakay. En fait, jeudi, c'est samedi, et supposé gagner jeudi, il y a une assemblée virtuelle, une réunion virtuelle, c'est Chambre Sénat, nous avons parlé de Chambre Sénat des États-Unis, qui va gagner, il y a un chita parler avec le président de l'Ukraine, nous voulons parler de Zelensky, pour parler avec eux, justement pour dire qui problème, qui a besoin, combien de cobres il a besoin, puisque vous connaissez. Les abdés bloqués comme c'est Sénat. Donc, c'est un. En fait, ça a justement démontré dans quel point que l'Ukraine est vraiment attachée avec les États-Unis. Plus que jamais, il n'y a pas un secret pour personne. Ou tu as dit qu'Ukraine t'attend pour Porto Rico, j'en bats la fête là. Tellement les États-Unis investissent dans l'Ukraine. Maintenant, on nous dit, on sentit que l'Ukraine est que en bas, c'est les États-Unis. Les États-Unis pas caché les intelligences, informations pertinentes pour l'Ukraine, mais côté négocié, mais déplacement, mais ça cap fait. Et au prêt pour les armes. Donc, il est clair que il y a des intérêts énormes dans l'Ukraine de pas opposition. Maintenant, nous t'avons rappelé pour tout le monde que, parce qu'à un certain moment, la durée, un peu le monde dit que Vladimir Poutine capé dit que ça, bagay, mais nous avons oublié que. Pendant plus que deux décennies, Vladimir Poutine pas jamais perdu un guerre. Tenez bien. Monsieur pas jamais perdu guerre, nous capable citer bataille bataille avec Tchétchénie. Je ne dis est-ce qu'on est soldat tchétchène au bon côté la bataille. Il était bataille avec Georgia, il bataille en fait, une bataille il fait et dans la Syrie. Mais c'est une bataille pour nous songer. Bataille la Syrie, en pile monde pense et que du côté de la Syrie, il n'est pas perdu, il n'est pas perdu. Bataille il fait pour presqu'île de Crimée. En fait. Donc, ça ne le dit pas là. Vladimir Poutine, pas jamais perdu, bataille il fait pendant deux dernières décennies. Ok? Ça, c'est un rappel, nous voulons faire à tout le monde. Succès Poutine et. Expliqué par le fait que l'Ibaï et en fait force armée militaire lui des objectifs clairs et précis qui vous permettent qui vous permettent des indicateurs qui capable dire que nous déclarer la victoire, OK? Et donc dernière initiative ça, il fait pour l'envahir l'Ukraine pour en pile monde, il a pas croire que la différent de différentes batailles monsieur habitué faire bien que fond d'accord que et attends là et c'est pas de ça personne monde pas t'a dit pour jeudi et après plus de 11 semaines pour que là aussi tu as en bataille avec Ukraine toujours et maintenant enfin nous dit que ça prend du temps avant pour là aussi débarquer Ukraine. Yo build up force yo sous frontière là du côté de Belarus pendant bon temps. Malgré que l'administration Biden a envoyé un pile avertissement, nous songe. Pendant plusieurs fois, Vin la Biden dit à un moment, de manière imminente, là aussi pour l'attaque. Chaque jour, il a dit ça, mais guess what? Gagné, Zelensky était toujours un petit japonais posé. À un certain moment, la durée, Zelensky était même dit les États-Unis font camper sous Baïsa, wap fait moun yo paix. Vous comprenez? Ok, Zelensky te un petit gens voulait calmer attention comme quoi la Russie pas t'avoir l'attaquer. Ok? Et wa bon ok? Et la Russie attaquer nan moment côté qu'elle dit li d'accord chi t'a parlé pour négociation et ça a les fait surprise. C'est que les États-Unis t'a fait une bataille pour que attaque n'a pas fait par surprise. Mais il fait par surprise quand même, puisque intelligent que la Russie, il dit bon, ok, on chita pour négocier. Dans le moment, il fait invitation pour chita pour négocier. Et c'est dans le moment ça, il justement et déclenche la guerre. À ce moment-là, Dieu m'a voulu rappeler pour comprendre faire des surprises. Là. Et Poutine, t'es pour venir chita avec Biden. Dans le moment, il a fait attaque là. Il était quand il y a un rendez-vous pour la chita avec Biden encore. Et c'est dans le moment ça,
se choisi et attaqué. OK? Et donc Ukraine Zelensky qui était prêt quand même par une attaque en surprise. Et plusieurs grandes villes à travers le pays a justement été attaqué, été trouvé sous les rouleaux, sous rouleaux de la Russie. OK? Et maintenant rapidement tout le monde constaté tant troupes étaient rapidement entrer et commencer à marcher sous capitale là. En pile bataille faite dans Kharkiv, qui c'est deuxième plus grande ville et dans Ukraine. Bataille dans Tchernobyl, ils ont contrôle Tchernobyl. Tchernobyl nous connaît qui c'est un site de désastre pour réaction nucléaire. Et mais pas oublier que hier là, tu as une pile pression là puisque tu as un autre espace nucléaire encore qui était attaqué. Et maintenant, analyse attend que, une fois que la capitale, Kiev, fin tombée après l'agression, à ce moment de la durée, cause militaire a fond campé, oui, yon pral mette sous pied, yon gouvernement qui pro la Russie. Mais on dit ou que, à un certain moment de la durée, on dit plus précisément le 25 février, président de l'Ukraine, Zelensky, tu commencé à faire des considérations pour moi-même qui était cas positif. Monsieur, tu commencé à considérer invitation que Moscou te fait pour te faire ça d'arrêler, yon pour parler sous neutralité. Neutralité. On toque sous la neutralité avec voisinage Belarus. Si pour parler ça te fait, Poutine te dit t'a retirer troupes liyo et camper conflit. Vous comprenez ça, ça veut dire? Ça veut dire, ça Poutine demande pour que l'Ukraine dit que le neutre n'est pas un outil. Parce que, en clair, nous ne pouvons pas battre notre moitié. Je dis à l'Ukraine, il paraît à clair coup de coq qu'il c'est un outil des États-Unis. Je dis samedi à là, le Parlement, on dit, et l'Assemblée, le Sénat au complet à Pchita et comme Kwamdado et Zelensky, c'est une autorité par rapport aux États-Unis. Zelensky parle dit je dis mais ça me gagne besoin. Il dit on parle temps de Zelensky pour dire qu'il a besoin combien d'armes, combien de besoin pour dire combien de cob n'a ba. OK. Donc et c'est ça et là aussi pas d'accord. Confiolo et c'est ça pour tout. Zelensky entre le tout pour le tout. Zelensky entrer plus profond dans causer ça plus que jamais. Plus que jamais, Zelensky entrer dans colère les États-Unis. OK? Et c'est ça qui bail Poutine plus gros problème là. Et c'est ça l'a demandé pour que justement pour Ukraine ta démarquer les États-Unis prend distance li. Parce que autrement, la Russie a toujours senti qu'elle est menacée. Maintenant, on dit que quand on dit que Zelensky a demandé là, il ne va pas le faire vraiment. Causer pour ta faire une zone, no-fly zone. No-fly zone, pas rien, ni Europe ni les États-Unis. No-fly zone veut dire que son zone depuis agent, depuis avion, la Russie, entre la Fonda, shot le down. Ça qui t'a fait nous entrer exactement dans gros guet. Je ne veux dire qu'on parler d'un petit guet entre guillemets. Mais on va aller faire nous fly zone là, on va entrer dans gros guet. En tout cas, c'est un guet pour faire un pile attention pour ne pas entrer dans gros guet, on dit balaque pour ne pas entrer dans véritable guerre mondiale puisque n'importe dérapage qui t'a fait derrière, on veut rappeler les États-Unis vous en pile zame derrière mais pas pour Ukraine non, pour protéger pays NATO. Il faut les soldats. Parce que yo paix en fait yo dit après Ukraine peut-être Vladimir Poutine ka vle passer prendre d'autres pays dans zone là. Donc voilà pourquoi yo al bay NATO et pays de NATO protection. Donc voilà justement guys, nous te vle partager info ça yo avec nous.